Point d'exclamation, play. Attendez, je sais même plus comment on fait. Voilà. J'ai failli dire c'est Dragon Sky qui a le record du tracé. Non, c'est un autre dragon. Dragon Heart, Jer. Bonsoir, Poupon. Bonsoir, Boblon. Non, là, c'est pas la perruque de blond, là, c'est juste le chapeau de Noël. Si vous voulez, demain, je mettrai ma perruque de blond. Ouais, Poupon. Heureux, Poupon. Alors, je vais avoir très chaud, mais j'ai envie de me lancer dans le délire de Poupon. Mettre et la perruque de blond et le chapeau de Noël. Je vais avoir l'air très con, mais ça me plaît le concept. Bonne idée, Poupon. Attends, bouge pas, je vais aller la chercher. Marvel, c'est le jeu qui oblige le chat à être le plus actif. Ah, j'ai pas mis le Merdoum. Je me disais bien que j'avais oublié un truc. Là, je fais du camion, je conduis toujours aussi vite. Non, ça change pas quoi. À 60 au lieu de 40 dans une ville. Avec un groupe électrogène. Oh là là, quelle tête ça va me donner. Le chapeau de Noël sur la perruque de blond. Je sais même pas si je peux. Je sais même pas si je peux cumuler les deux. Je sais pas de quoi j'ai l'air. Je dois avoir l'air de rien, je présume. C'est... Ah ça, on ça suit quelqu'un, on va suivre Christella. Ça t'évitera de ressembler à quoi, ouais. C'est bien. Attendez, je remets les héroïettes pour vous entendre dans la Discord. Ah, ils nous entendent plus, on peut dire des conneries. Ouais. J'aime dire des conneries quand le chat est pas là. Si. Ouais. Oula. C'est impossible à mettre les deux. Je vais avoir très chaud au crâne. J'ai des billes. Ouais, Kim Fun, elle est devant, c'est la meilleure. Comment ça, je suis tout petit. Il fallait manger plus de soupe. C'est ça. Tiens, tu me fais penser, j'ai deux briques de soupe en réserve. Et c'est vrai que je les ai toujours pas consommées. Je les ai depuis plus d'un mois. Enfin, c'est pas perdu, ça se conserve un bon bout de temps, les briques de soupe, mais... Ah, peut-être que j'essaie d'en consommer une avant le 1er janvier, ce serait pas mal. Il a fini premier, il commence bien. Mmh. Ouais, si Bob, moi-même et FunFan ont fait le podium. Et l'équipe de modération, là, on est premier, super. Au taquet, suivi de bon. Edge, Poupon, Twinsen et Christella qui ferme la marche. Allez, course suivante, Grim Demonic Graveyard. Point d'exclamation, play. Où je finis premier. Mais on a perdu Nayone. Hein. J'espère qu'il lui arrive rien de grave. J'aime que les courses où je finis premier, sinon les autres, ça c'est piqué. Parodie, hein. Oh merde, je m'ai marqué play avec une petite oui. C'est chiant le téléphone. Ah oui, merde, j'en ai plus. Il est vilain, mon droit, c'est le fini là. Il appuie sur. Appuie sur. Ah, il appuie sur tout. Ça va pas, non? On va faire vert. Demain, je te ferai découper. Ne quittez pas, j'en aurai un autre qui va repousser. Ah, on va suivre Jay. Mais les enfants. Mais les enfants, ne faites pas ce que j'ai dit, hein. Ne vous coupez pas le doigt, s'il vous plaît. C'est réservé qu'aux adultes. Quand tu dis ça, c'est horrible, mais tu me fais penser au Yakuza. La pègre japonaise. Oula.
Ah, c'est une souris, c'était les Yamagashi. Non, les Yamakaki, c'est même pas japonais, bien que la sonorité est traître et compatible. C'est ceux qui sautent sur les toits dans tous les sens. Mais. Non, mais le petit doigt, l'auriculaire coupé au Japon pour les membres de la PEG, donc les Yakuza, c'est lorsqu'ils ont commis une grave faute. Et ils doivent se mutiler pour racheter leur faute. C'est très aussi, japonais. Il y a aussi les Yama... Non, je sais plus. Ça me reviendra, là. Entre-temps, ça me tient ma blague, mais... Les Yamayaki. Yamanaki. En fait, c'est comme les saucisses Naki, mais les Yamanaki. Si tu veux. Mais je crains que ces athlètes aient comparé à des saucisses, ils le prennent mal. Il faudrait pas que t'en rencontres un qui serait en charge de ton propos. Tant qu'il n'écoute pas le live, ça devrait aller. C'est ça. Et qui sait, peut-être que Poupon, c'est Yamakasi. Ah, le Yamakasi breton. Bah ouais. Énorme. Oh, pas grand chose à grimper. Bonjour. Alors, Pierre Troutman. Je vais gagner une PlayStation 6 à celui qui gagne la cour. Hein. Oh, Christella, elle est mourue. Oh. Alors déjà que tout le monde n'arrive pas à avoir une PlayStation 5, lui il a une PlayStation 6 du futur. Les biens mal acquis ne profitent jamais. Faites voir vos petits doigts, oui, c'est ça pour bon. Alors je sais pas si c'est encore d'actualité au Japon, mais toujours sur le même sujet, il y avait un commerce qui s'était développé de prothèses d'auriculaires. Justement pour ceux qui s'étaient fait mutiler du petit doigt. Il précise que sa PlayStation 6 est made in France. Ah, je sais pas ce que ça vaut, hein, mais je ne tenterai pas. Hein. C'est une contrefaçon, ça encore. Hein. Oh, c'est cruel comme arrivée. Et la bille d'Edge semble encastrée. Mais le sage. Ah non, mais c'est un carnage. Et il reste plus qu'EJ, mais EJ il est encastré. Il fait du surplace, EJ. Mais que signifie? Bah, au moins, j'ai gagné. Bah non, t'as pas rallié l'arrivée, je suis désolé. Ça compte pas, mon pauvre EJ. Oh, le gars. Non. Elle est bloquée, sa vie de EJ. Ah ouais? Je suis obligé d'amorter la course, tu t'es encastré, je sais pas comment t'as fait ton truc. Ça méritera un clip. Ouais. Mais c'est... triste. Accordez-moi la victoire, bordel. Quoi? T'as failli avoir un accident de bagnole. Bah alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, Pierre Troutman? Waouh, les boules. Bah, je fais le clip. Oui, oui, merci pour le clip. Point d'exclamation, play, allez-y, placez votre bille. Bah alors? Ah bah, t'as pas le propos rassurant, Pierre Troutman. Mais t'es en un seul morceau, là. Si tu es sur le chat, c'est que au moins t'es pas gravement blessé. Tu fais flipper dans le propos. Oh là là. Une saucisse coincée sous la pédale de frein. Point d'exclamation play. Oh, le nom du truc. Du, oh là, Gravel Lord Bizarre Breeding Serendipity. Et le record est de Kusina Zero Run. Alors, elle est sortie de garage hier et sur la nationale, Neyman s'est bloqué pendant que je roulais. J'ai pas compris. Oh, j'ai fait le clip. Je vais le mettre sur le chat pour ceux qui sont toujours intéressés. Ouais. Merci, FunFan, ouais.
Attends, le Neyman s'est bloqué pendant que je roulais. Je sais même pas qu'est-ce que le Neyman dans une voiture. C'est Neyman. Alors là, autant j'adore le sport automobile et un peu la mécanique, autant le Neyman, je sais pas ce que c'est. C'est le problème avec les voitures volées, quoi. Le Neyman s'est bloqué. Ah, le volant s'est bloqué. Oh putain. Voilà, c'est la violence si tu perds la direction de ton véhicule. Wouah. Les boules. Bon, bah, en espérant que t'arrives à dépanner ta tuture, parce que... Oui, je comprends que tu te fais une belle frayeur. Wouah. Ouais, donc dans le virage, ligne droite. Ouais, bah, les boules. Oh mon dieu. Oui. Vu que je pouvais plus tourner, bah oui. Po po po. Eh ben. Oh, l'habitude, une scène qui a valsé dans le décor. Bah mince alors. Je les trouve durs, les parcours choisis au hasard là aujourd'hui. Ça a été pioché au hasard par le jeu, selon mes paramètres, mais j'ai trouvé violent les tracés. Les dédions boutons, c'est plus ce que c'était. Eh ben. Ouais, bah, j'espère que tu termines tes émotions, hein, parce que. Dur, dur comme mes aventures. Ah ouais, les boules. Hein. La direction qui lâche, dur. Eh ben. Alors ça me rappelle les accidents, enfin des incidents spectaculaires les années précédentes quand il y avait des bugs sur les régulateurs de vitesse et il y en a qui pouvaient plus freiner. C'était lancé sur l'autoroute et il y a eu 2-3 cas extrêmes en France où ils devaient attendre la panne sèche pour que finalement le véhicule s'arrête, un truc de fou. Oui, comme le garagiste a fait des modifications sur les commandes et le volant hier, oui, bah il a merdé un truc. Il va falloir qu'il corrige sa copie, le garagiste. Ah, votre serviteur a rallié l'arrivée premier. J'ai été suivi de près par LJ. Malheureusement, LJ, Bob, Twinsen et Poupon, vous avez été éliminés du parcours. Ah, par contre, Funfan rallie le podium à la troisième place. Il reste Christella. Il est encore en course, mais à la traîne. Allez, c'est là. Allez, tu peux le faire. Ouais. Ah, c'est bien, la rallye l'arrivée, Christella. Eh bien. Ouais. Ghostly Hunting Adventure. Point d'exclamation play. Vous pouvez placer votre bibi dès maintenant. Oui, j'appelle pas ça un garagiste, mais un meurtrier en puissance. Bah ouais. Plainte déposée, expert judiciaire contacté. Ouais. Dur. Mais ça me rappelle une histoire d'un vieux pote là, Eric. Mon pauvre Eric, ça doit faire. Attends, ça fait combien d'années que je l'ai pas vu? Je crois que la dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2016. Si je dis pas de conneries, déjà le temps passe trop vite. Bref. Bref, un copain que j'avais connu en milieu professionnel, Eric. Il m'avait raconté, il lui arrivait une histoire horrible. En fait, il avait acheté une bagnole de case. Et dans le passif, dans l'historique du véhicule, la bagnole avait été refaite par un gars qui touchait en mécanique, mais qui n'était pas officiellement mécanicien, quoi. Il le faisait par
par passion et puis histoire de se faire un peu de beurre en retapant des bagnoles. Mais visiblement, il n'avait pas les qualifications requises. Et le problème, c'est que mon copain Eric, il a une sacrée mésaventure, à peu près dans le même scénario que tu décris, Pierre Trautmann. Il était lancé sur le National. Sauf que sa bagnole, elle, s'est scindée en deux sur le milieu. C'est-à-dire, heureusement qu'il n'y avait pas passager sur la plage arrière, parce que là, ça serait mal terminé. Et en fait, sa bagnole a terminé sa course comme dans un film comique français, sauf que la scène n'était pas du tout drôle. Et il aurait pu y rester. Et en fait, quand il a fait les démarches justement de porter plainte contre le gars, après le constat d'accident spectaculaire, d'avoir la bagnole qui a été mal ressoudée au niveau de son châssis, quand il avait été confronté au fautif qui lui avait soi-disant réparé sa bagnole, Eric lui avait foutu son poing dans la gueule. Et il avait eu l'accord du gendarme qui était sur place en disant non, j'ai rien vu. C'est vrai que c'était mérité, quoi, parce qu'il aurait pu y rester. Voilà pour l'anecdote. Et le gars était condamné à je sais plus quoi, ce qu'il a fait, de la prison ou une forte amende au moins, mais il a pris cher, quoi, le gars. J'espère que le volant de ma bille ne va pas se bloquer. Oui, Pierre. Et ah bah moi, bah, j'étais éliminé. Très bizarre ce parcours. Oui, il est bizarre ce parcours. Et la suite, c'est quoi? Attends, faut être propulsé en haut? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, il y a Tabi qui est au loin, fun fan, on va la poursuivre parce que toi visiblement t'es dans le schmilblick. Mais alors le reste. Encore une course où je prends l'avantage. Comme celle du système lunaire là. Chaque fois qu'il y a de l'espace, c'est bon pour moi. Ouais. T'as gagné, mais Elle a juste peur. Oh aïe aïe. Oula. Ouais. Niveau musique, tu as mis un peu de drum and bass. Oui, j'ai un peu de tout. Là, j'ai un peu de rock là en ce moment qui passe, Pierre Trautmann. Mais j'ai trouvé des compositeurs, des groupes super intéressants sur Dogmatic là. Et surtout de la techno. Tout à l'heure, tu serais venu plus tôt, tu aurais entendu la phase techno. Je sais plus c'est quoi le groupe, je te redonnerai si tu veux en message privé les références. Une tuerie. J'adore leurs compos. J'adore. Ah bah oui, c'est un carnage. Oh, les parcours sont bizarres cette semaine. Bon, bah, fun fan, tu étais le seul à rallier l'arrivée et tous les autres ont été éliminés. C'est radical. C'est vraiment une sélection étrange cette semaine. Ah, point d'exclamation play, allez-y. Vous pouvez passer votre baby. Cinquième tracé sur 16. Je vais en faire un autre clip. Ah. Mais t'aimes bien quand tu peux immortaliser ton triomphe. Je te reconnais bien là. Oui, les parcours sont bizarres. Mais j'ai fait ma sélection de parcours. Tu peux paramétrer selon critères. Et dans mes critères, je dis que je veux pas qu'il y ait un taux d'élimination supérieur à 10%. Et là, c'est pas de bol, je sais pas ce qu'il me fait. On se plante tous sur les parcours qui sont pas censés être aussi punitifs. Pas de bol. Tant pis, hein, samedi prochain, je referai une sélection manuelle à la main. Enfin non, je suis pas là le week-end prochain. Dans 15 jours. Voilà, soupir. Qui c'est qu'on suit? On suit Edge Jack Club. Je prends une. Mmh.
Original. Attends, je vais décaler un peu la caméra, que je sois plus dans l'axe. Ce tracé là est déjà beaucoup plus plaisant, ça fait presque parc d'attraction là, avec des toboggans aquatiques, ça me fait l'effet là. C'est rigolo. Oh là là. Oh, ça dégringole. Circuit, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a qu'à voir le flattement, ça répond à la question. Mmh. Les circuits se suivent et se ressemblent pas. Ouais, bah ouais. Poupon a gagné. Sabi a déjà rallié l'arrivée. Peut-être même d'ailleurs un record du monde. J'ai pas fait gaffe au chrono parce que le record est 2.03. Et là, on est déjà à 2.20. Mais. A voir. Tiens, si Poupon a pas un record du monde, il y a peut-être une chance. J'ai pas fait attention au chrono. Là, on suit minutieusement la bille d'EJ. Théoriquement, Pierre Troutman. Ah bah non, merde, Pierre Troutman n'est pas tombé dans le ramequin d'arrivée. Ah, c'est cruel. Alors que je pensais qu'il allait être second. Oh là là, ils sont sévères les tracés. Oh là là. Voilà, deuxième EJ. Bah, encore pour la troisième place avec Christelle. Hein. Effectivement. Champion du monde, la vérité, dit Popon. Ah, il va falloir voir ouais, au niveau du chrono, c'était intéressant. Belle performance, quoi qu'il en soit. Ah, Funfan, t'as perdu ta bille principale. Christella ouais. Est arrivée troisième. Je suis content, comme ça, ça permet à Christella d'avoir la troisième place. Ouais. Le podium est déjà tracé. Poupon, EJ, Christella. Il reste ta bille secondaire et moi. Alors, t'es mort, et ma bille... Pourquoi on voit pas ma bille? Ah, parce qu'elle est encore en train de dégringoler. Ah, pas de bol, éliminé. Bah, il y a juste un podium. La violence! Oh! On n'était pas loin, on était à 2 secondes du record du monde, hein, Poupon. Mais très bien joué. Donc, Poupon et Jay Christella, voilà. Oh, qu'est-ce que c'est que ces tracés vilains! Oi, 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 oi. Point d'exclamation, play. Vous pouvez placer votre bibille. Alors que les nuages, là, sont plutôt chocolatés. C'est original comme déco. Je fais n'importe quoi avec ma flanelle, moi. C'est comme ça que j'ai chopé la crève. Je suis en train de me provoquer un chaud-froid. Je fais n'importe quoi. Oh! Excusez-moi. Voilà. Attends, je vais le mettre de l'autre côté parce que comme j'ai la lumière qui arrive de ce côté-là, au moins vous verrez mieux ma tronche si je mets le pompon du côté opposé. Ah, c'est la situation du jour. N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès, essayez de devenir un homme qui a de la valeur. Albert Einstein. C'est beau, c'est bien dit. Ah, la Jet, bienvenue, ouais, pour les bibis. La bébé. Ah bah, on va essayer de suivre l'ami la Jet. Attends, bon, 5e, 6e. Voilà, la Jet. Ah.
On voit qu'on est entre nous parce que vous avez tous un pass VIP. C'est rigolo. Vous êtes les fidèles parmi les fidèles. Ah là là. Merci à vous d'être là. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant de diamants sur un chat. Moi, je suis au-dessus de ça. Mais oui, t'es le modo par deux fois. Eh oui, tu as le glaive vengeur. Tris, Trisael. Trishael. Une scène VIP, c'est possible. Eh oui. Ouais, je déconne, chez moi il est modo, c'est pire. Bah, quand je l'avais mis VIP sur mon canal, une scène s'est exclamée, youpi, c'est la deuxième fois que je suis déclaré VIP sur une chaîne. Alors, quelle est la première chaîne sur laquelle il est VIP? C'est à sa discrétion. Ah. Oula, attends, je recadre un peu la caméra parce que je vais foutre une baigne. Sûrement une chaîne pro PC qui ne fait que des jeux d'aventure et qui aime pas les manettes. Ou tout simplement sa propre chaîne. Ah, non, tu peux pas être VIP sur ta propre chaîne, tu es streamer, c'est tout. Oh merde, ma bille a giclé. Oh, je suis mouru. Christella sera en tête du tracé, visiblement. C'est bizarre, ouais, d'avoir une ascension en fin de parcours. Peut-être qu'il ne l'est plus, hein, sur la chaîne en question. Je sais pas. Lui le sait. Bah oui. Il n'y aura pas de record du monde. Bah, la bite Christella, Cachu. Ah bah, AJ Club et la Jed ont rallié l'arrivée. Et puis Christella, je sais pas, t'as pris peut-être un mauvais embranchement. Attends, la vache, la violence. Mais je suis content que sur Twitch, ils ont supprimé le mode espion parce qu'elle avait marre. Non, parce que si tu avais certaines personnes en ami, si tu faisais partager ton activité, certains ils espionnaient. Et même j'ai eu des gars qui m'ont fait des MP qui m'ont dit non, il faut pas mater un tel, viens me mater moi, je stream, c'est que je suis plus intéressant. Ah ouais? Ouais, ouais, j'ai eu des MP de ce style. Ils disent faut pas mater un tel, il vaut mieux me mater moi ou autre. Maintenant qu'il n'y a plus ce mode espion, je suis bien content. Oui, bah oui. On ne reçoit plus des MP. Edge et la Jed ont respectivement rallié l'arrivée dans le parcours précédent, mais point d'exclamation play, vous pouvez placer votre bébille pour ce parcours suivant. Du coup, le sage, je ne sais pas à quelle heure je vais prendre mon antenne. Enfin, ce sera entre 20 et 21h, mais comme j'attends Bambastos, je ne sais pas quand il sera là, donc voilà. D'accord. Quand il est pas là, il faut meubler, quoi. Ok. Mais bon, en général, Bastos, c'est une personne à l'heure, sauf s'il est vraiment fatigué. Quand on aura fini les bibis, je sais pas quelle heure il sera, et si Bastos s'est pas manifesté à toi, je pense que je vais exceptionnellement vous proposer un Gartic Show. Sauf que j'ai pas préparé la scène, mais j'aimerais bien dessiner pour vous et que vous essayez de deviner. Enfin, je pourrais faire un truc rapidement de montage à la chiasse. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah... Attends, c'est quoi ce délire? Ah oui, j'ai pas compris, là. J'ai eu une caméra inconnue. J'ai pas capté ce qui s'est passé. Oui. Je sais pas pourquoi, Foucon, je savais que t'allais me sortir ça. C'était prévisible. Maintenant, FunFan peut regarder un mourant et Carole Quintaine tranquille. Oh, j'espère que Olive qui tue va bien. Je suis content pour Amourante que maintenant elle est plus libre de faire ce qu'elle veut et qu'elle soit plus obligée de faire par son harceleur, qu'elle se soit débarrassée de lui. Je suis content que maintenant elle a contenu qu'elle a envie, qu'elle aime. Donc je suis content pour elle. Mais ce carnage, Poupon et la Jed ont été éliminés. Ah. Rebonsoir Nayone. Ah, re Nayone. Le traître
nous a abandonné. Non, je déconne. Bah là, normalement, Edge est dans le jeu de camion. Je sais pas si t'as fait ton convoi. Non, je vais pas faire le convoi parce que je vais bientôt manger. Mais d'accord. Je reviendrai après. Ouais. Puis ceux qui voudront faire du camion, on pourra aller en vocal si vous voulez. Ouais, Nayone, je l'ai vu, t'as fait un. Un mix de re et bonsoir, rensoir, c'est pas mal. Je vais la garder celle-là. Oui, on pourrait croire que c'est un nom d'emprunt pour être écrivain, tu sais, de manière anonyme. Le nouveau roman de Rensoir de Nancy. Ah mon dieu. Soir érotique. C'est mieux. Oui. Fan. Les poils, ça parlera beaucoup de poils. Est-ce qu'il faut le cuire lassivement ou autrement? D'ailleurs, à propos de Miam, je vous abandonne également. Ouais, pas de soucis, Poupon. N'oublie pas de manger ta bonne crêpe. Bonne à Poupon. Ah bah, crêpe bretonne, c'est quelque chose. Hein. J'aime bien l'Indien que vous êtes tous là à me suivre. C'est du coup. Ah, il est passé. Christella, Elchi, Bob et Fanfan font le podium, suivi de moi-même et DJ Club. Malheureusement, la Jet et Poupon ont chuté hors parcours. Ah, mais il a juste fait une faute de pape. Point d'exclamation, play. Il y a des fois, il y a des bonnes fautes de frappe. Docteur Boutique, faute de frappe aussi. Hein. Non, c'était le correcteur orthographique, c'était pas une faute de frappe en soi. La version officielle. Ça y est. T'es en train de craquer là. J'aime Docteur Boutique. Malgré tous les défauts qu'il a. Point d'exclamation play, n'hésitez pas à placer votre bibi. Est-ce que Elfito, je vais le renommer Docteur Boutique. Non, ce qui me surprend, c'est que t'es pas placé ta deuxième bille. Ah merde, j'ai mal marqué le truc en fait. Je le renommerai Docteur Boutique. Vous savez, il viendra vous faire des consultations. Il ne fait que des consultations pour les streamers, pour les aider à s'améliorer. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce tracé de fou? Docteur Streamer. Il sera en concurrence avec Docteur Wrestling. Qui existe vraiment, Docteur Wrestling? Enfin, vraiment, c'est le pseudo d'un consultant sur Twitch qui parle beaucoup de catch et sa chaîne Twitch, c'est Docteur Wrestling. Eh bien. Il s'appelle aussi Docteur Gaming et Docteur je sais pas quoi. Docteur Bouticolet. Bon, il fera une chaîne de romantisme, il s'appellera Docteur pour l'amour aussi. Ça c'est un de ses projets futurs. Très original ce tracé en ascension. Ouais mais j'aime pas. Parce que t'as pas l'impression que tu grimpes normalement dans la vraie vie, tu grimpes pas comme ça, surtout des pieds. Ça devrait descendre, ce serait été mieux l'inverse, mais ça fait quelque chose de pas naturel. Bah, le côté gênant, c'est la caméra, je peux pas faire plus... je peux pas faire mieux. Après, oui, c'est original, ça c'est sûr, original ça l'est, mais ça donne pas l'impression que... Oh merde, Christella a pas rallié l'arrivée. Ah, oh, J-Club non plus. Mais je vous permets pas. C'est bizarre. Il y a un moment, il a une fin ce parcours ou il y a un... Écoute, c'est... waouh.
Ah, Tabi est tombé dans les limbes, fun fan. Visiblement, l'homme en tête, c'est Nayonet. Ah ouais, il est comme ça, le gars. Il arrive, paf, il est premier. Oui, c'est ça. Nayonet a remporté la course. Ah ouais. Direct. Excusez-moi, monsieur. La Jet, deuxième. El Chibob, troisième. Là, on a le podium. Et moi-même, je rallie l'arrivée, quatrième. Sinon, Fun Fan, EJ Club et Chrisella, vous avez pas rallié l'arrivée. Eh B, c'est la violence. Ah, boum. Point d'exclamation play. Vous pouvez rejoindre cette course dès maintenant. Et on est déjà à mi-grand prix. C'est le 9e tracé sur les 16. Bonsoir. Bonsoir, Nayonet. Comment ça va? Ça va, tranquille. Où es-toi? Ça va bien. Bonsoir, les viewers du Sage de Nancy. Alors comme ça, le gars, il arrive, il se met premier, quoi. Voilà. Tout confort. Exact. Je suis en mode de confortable, je m'installe. Et d'ailleurs, Réglisse va parler un peu. Voilà, il a parlé. Salut, Réglisse. Oui. Ouais. Bonjour, Réglisse. Salut. C'est longtemps pour que je coupe le micro. Je dis bonjour, bonjour les gens. Oui. Ça gazouille, ça ronronne dans ton quotidien. Ça gazouille, ça ronronne quoi? Ah oui, c'est pas le quotidien de Réglisse. Ah, il gazouille pas, c'est un. Il ronronne et. Ah, tu veux dire qu'il mange des oiseaux? Non, il mange pas d'oiseaux. Bon bah il ronronne, il miaule. Voilà. Il miaule, il ronronne, il râle, il dort, il mange, il boit, il va. Bonsoir Nash and Man. Petit coin. Ah bonsoir Nash. Bonsoir Nash. Trop tard pour play. J'ai tapé play ou pas moi? Ah oui. Bon vous me laissez la place s'il vous plaît? Non. Oh la vache, le parcours de feu. Il y en a un qui est tombé. Ah non. Oui de lave. De feu, de flamme, c'est le parcours de. Des profondeurs de la terre. Waouh. Wow. Moi, les critères, on se lâche pas depuis le début de la compétition. Plus ou moins, là, c'est chahuté. Christella, elle est en perdition, là, elle perd du temps. De quoi ça fait peur, Edgier? Que moi et Christella, on se lâche pas, c'est juste un jeu de course, hein, t'inquiète, hein. Oui, je sais, t'inquiète. C'est juste des coïncidences, hein, mais c'est vrai que quand elle est première, je suis second, quand elle est avant-dernière, je suis dernier, quand elle est troisième, je suis quatrième, c'est rigolo. Ce soir, c'est comme ça. Ça va faire suspense pour le podium du Grand Prix. Je lâche pas les bases. Là, ça fait peur. Surtout dit comme ça, on me sort en contact avec un cliff. Vache, il n'est pas évident de se mouvoir sur ce tracé. Ce n'est point aisé de se mouvoir. Ouais. Pourtant, je suis deuxième. Et le sage dit ça, mais il est premier. Hein. Bah, virtuellement parlant, dans les médias, oui, mais je trouve que ma bille est en train de stagner. Ah, alors que toi, tu es encore à nouveau en train de tracer, Nayonet. Tu es déjà dans le deuxième tonneau. Cado Anthony, il a halluciné parce que pourquoi il avait fait du Marvel en stream et celui qui détenait le record qui s'appelait Crazy Nude. Crazy Nude. Ouais. Waouh. Le coup tout nu. Oh, Nayonet, t'as chu. Oh, comme c'est dommage. Bon, bah, je m'en vais. Adieu. Moi aussi, j'ai chu. Christella, par contre, a gagné. Oh, bravo. Deuxième LC Bob. Ouais. Du coup, il avait dit, j'espère qu'en cette saison, il n'y a pas trop froid. Ah, qu'il est con. Excellent. Troisième fun fan. Il reste plus que NJ en course. C'est ça, premier, mais deux pseudos qui suivent derrière. Voilà. Non, mais il y a un problème. C'est pas normal. C'est contre nature. De quoi d'avoir mon choix. Non mais. Non, je vais pas faire comme une scène. Point d'exclamation play. Placez donc votre bibille.
Est-ce qu'il y a moyen que le Francis le plaît, le sage, en mettant lecture à la place de plaît ou jouer? Oui, il faudra que j'essaye, je l'ai pas encore programmé, c'est vrai que j'avais dit que je le ferais. Ah, en plus, vous voulez le faire, ok. Oui, je serai pour faire l'expérience. Maître, bonjour pour ceux qui disent jamais bonjour dans le chat. La fan, ceux qui disent jamais bonjour, moi j'approuve aussi. Hein, aïe, aïe, aïe. Moi je vous ai jamais oublié. Mais ça, il faut que je pense, pardon, il faut vraiment que je le fasse dans la quinzaine qui arrive, comme je serai pas là le week-end prochain. Il faudra que je télécharge les vidéos de Tomb Raider 4, là je suis proche de la fin maintenant. Tomb Raider 4 avec la version française, la voix de Françoise Cadol, et que ça nous fasse un résumé. Parce que le Tomb Raider 4, j'ai commencé il y a longtemps, là je sais plus, ça date de l'hiver dernier, Tomb Raider 4, non? Je non, sais même plus. L'hiver dernier, tu streamais pas l'hiver dernier. Je ne sais pas quoi répondre. Oserais-je la qualifier de vacherie? Entre non C1, c'est moche. Elle est belle. Pardon, c'était... je pensais pas être... C'était pas méchant, hein, mais... C'était... Oui. Non, mais... Ah, peut-être que t'as... Oui, non, parce que t'as commencé le 1 en janvier, non? Non, en plus, t'as tout faux. Non. Ah bon? T'as le droit de tirer à balles réelles, c'est juste que j'en prends le constat. Mais c'était gratuit, comme dit Dashman. Non, le 1 et le 2, je les ai fait, moi, dans mon côté, par le passé, les années précédentes. Donc, c'est direct sur ma chaîne YouTube. Sur YouTube, vous pouvez voir ce que j'ai fait dans le 1 et le 2. Mais Twitch ne m'intéressait pas à cette époque. Le 3, j'avais redécouvert le début parce que je m'étais arrêté il y a longtemps. Et encore, c'était sur la PlayStation à l'époque que je jouais au 3. Et j'ai découvert la fin voilà, sur mon antenne. Et le 4, je le découvre totalement. Mais le 4, je l'ai démarré il y a déjà un paquet de mois. Hein. Il est long, Tomb Raider 4. Hein. Il se fait désirer. Hein. Il se fait savourer. Parce que moi, l'hiver, il commence dès le... Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Le 1er janvier, c'est déjà l'hiver. Enfin non, c'est le... C'est le 21 décembre, oui, le 21 décembre. Oui, oui. Ok, non mais je n'étais pas trop clair sur les dates. Mais par contre, oui, t'as commencé les streams l'hiver dernier, au l'hiver de Nouvel An. Ça va faire un an que tu streams, le sage. Oui. Je pars débattre de ma phase alpha, bêta, chaîne secondaire, etc. Non, c'est... Mais ça répond toujours pas à ma question, c'est que moi-même je ne me souviens plus à quelle date j'ai commencé à faire Tomb Raider 4 sur mon antenne. D'accord. Non mais c'est juste pour en général les streams quoi, quand t'as vraiment relancé la chaîne, le sage de Nancy. C'est difficile à dire parce que déjà il y a certains qui les streams le matin. Oh bah tiens, dehors. Il y a dehors. Il y a des fois tu les streams sur une semaine, après pendant 2-3 semaines tu les streams plus, tu ne fais pas de façon régulière le Tomb Raider, donc en plus il y a eu tes week-ends où tu étais absent un week-end tous les mois, donc c'est difficile de répondre à cette question. Oui, pourquoi tout le monde était éjecté? Je ne sais pas, c'est la cruauté de cette carte, je la passe honteusement parce que j'aurais été le seul à rallier l'arrivée. Pas normal, c'est le streamer, il gagne même pas, il pense à ses modos. Ah écoute, bon, là j'ai pas compris pourquoi j'étais le seul vainqueur, mais bon. Moi je vais vous laisser, je vais aller manger. Ouais, bon app, à plus, merci AJ. C'était cool le jeu de golf, bien vu. Merci à toi. On va te retrouver pour les camions. Ouais, pour le camion. C'est donc demain à 14h le camion, c'est ça? Ouais, mais on va s'en faire hors antenne ce soir. Moi je vais m'offrir un convoi. Peut-être à tout à l'heure, Edith, si tu passes un coucou sur Final Fantasy. C'est vrai, voilà. Si, je bref, passer un coucou. Tu as envie, hein, tu t'es pas envie. Je me regarderai, je ferai la modération, évidemment, chez FunFan, tout en jouant au camion, quoi, sur mon écran principal. Oui, bonjour et bienvenue à MaximeHeri34. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bienvenue, fan de Max Payne. Et... Ah bon, c'est du Max Payne? Je vois que Christella sélectionne toujours savamment la bille numéro 1. Ah. J'ai oublié de le faire. Ah. Oh la vache. Oh, les intersections sur ce tracé. Du
différents couloirs. Mmh. L'autoroute, la route de campagne et la départementale. C'est ça. La nationale aussi. Merci tout plein. T'es pas prêt pour cet acte en fait, fun fan fabrique chaîne. Sa PS4. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. Il la prépare. Quand je dis elle est parfaite, c'est au niveau des branchements en fait. Oui, je plaisante. Je plaisante. Ah oui, il y a un convoi ce soir, Nash, apparemment. Et un convoi aussi demain après-midi. À moins que ceux qui font un convoi ce soir jouent jusqu'à pas d'heure, jusqu'au petit matin à 6h, là, le convoi sera compromis. Non, moi je m'arrêterai avant minuit. Pareil, je plaisante. Ouais, vous dites ça. N'est-ce pas, Régis ? Attends, vous voyez encore. Merci, ouais. Christella adorable, qui a fait la recherche pour nous. J'aurais commencé Tomb Raider 4 début juin. Oh, ah. J'aurais fait 6 mois de Tomb Raider 4. D'accord, bah merci Christella pour aller chercher les informations. Merci pour l'info. Je pense que 8 mois, c'était le jour de mon anniversaire, tout le monde s'en souvient. Mais c'est bien si chaque opus de Tomb Raider me tient en haleine pendant 6 mois. D'ailleurs, Fun Fan, petite question. Notre partie de jeu d'hier, elle a duré jusqu'à quelle heure ? Ça a duré longtemps. Hein. 1h du matin, je crois. Ah, à quelle heure on avait terminé ? Oui. Ouais, non, pas 2h du matin, 1h, 1h30. D'accord. 2h, ça c'est sûr à 100%. Alors, ouais, Nash qui te dit qu'il a un repas de famille demain, oui. Sur d'arriver tard, même ce soir, si c'est ok, je veux bien. Ok, c'est très bien, très bien. On va être plus on est de fou, plus on est plus moyen de volant. Non, je trouve que là on a chacun un volant, donc ça s'applique pas. Plus y'a de fou, moins y'a de rire. El Chito Bob, Christella et Fun Fan font déjà le podium. Malheureusement, Nashevman, Nayonet, moi-même et Maxime IRL, ah oui, pardon, j'ai mal lu, 34 ont été éjectés du parcours. C'est vraiment des tracés cruels là ce soir, je suis désolé. Visiblement, Edge serait parti pour rallier l'arrivée. Fun, Cressella et Chito Bob sont devant. Ah, mais non, Jacob a été éjecté. Je crois. Oh, non, ah non, il est blanc. Il est blanc. Cressella, elle est en sandwich entre mes deux pseudos là. Nash n'a pas compris. Donc, je suis d'accord pour le jouer ce soir. Et je sais. Ah oui, je sais une blague sur. Sur. J'essaie de faire des blagues sur sur les volants et. Non, t'as adapté la blague, l'expression plus il est de fou, moyen de rire. Non. Plus on est de fou, plus on rit. Et pareil avec les volants et les camions. Mais bon, ça s'applique pas quoi. Point d'exclamation play pour ceux qui veulent rayer la course de Bibi. Allez. Alors, je précise pour Nashevman et les intéressés. Ce soir, hors antenne, pendant que je regarderai Fun Fan et que je ferai sa modération. Moi, je vais ouvrir un convoi sur American Truck Simulator. Donc, les habitués pourront me rejoindre si ça vous intéresse. Personnellement, je n'irai pas au-delà de minuit parce que j'ai mon rythme de vie habituel, comme vous le connaissez. Et demain matin, je suis censé diffuser entre 9h, enfin prendre mon antenne entre 9h et 10h sur du Final Fantasy. Point d'exclamation play pour la bille, j'ai peut-être oublié de le préciser. Et nous accueillons, bienvenue à. Mince, le pseudo est passé vite. Simon Like 900, bonsoir et bienvenue. Je vais y arriver. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. Ah, un aficionados de Fall Guys. Sympa l'avatar. On va suivre la bille de l'intéressé. Donc ce personnage, c'est un personnage de Fall Guy, en plus écrit Fall Guy. Ouais, la caméra est braquée sur Simon, nouvellement venu. Enfin, nouveau venu, pour parler en bon français, pardon. Simon, tête de saumon. C'est gratuit. Oui, j'allais dire, pour une rime, voilà. Aïe, 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 t'as un drôle de sens de l'accueil, Fun Fan. Oui. Oula, Péloponnèse, sauf pour le recordman du monde. Promis, sinon je réfléchirai à un autre pour Simon.
Oh, ça stationne là, ça stationne. C'est quoi ce modérateur si ouais. Mais ça dégringole bien dans l'escalier en colimaçon là. Oh là, ça tombe. Ah, il y avait un petit caillot de... Bon, on va bien, on est entre copains, Simon, merci, c'est gentil de demander. J'espère que toi-même, tu vas bien. Est-ce qu'il y a un parcours comme un tube digestif, un appareil digestif? Avec les pièces assemblées du jeu, c'est pas forcément évident à concevoir. Mais j'ai jamais vu ça, mais l'idée Ce serait pas évident. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais ce serait pas évident à modéliser. Ouais. Je croyais qu'il y en avait un qui existait déjà. Peut-être, mais il y en a tellement, tu sais, des parcours. Mmh. Et d'ailleurs, on est presque à l'arrivée là. Oui. On dirait un parcours de chimie là. Le truc qui tourne. Et on récupère à la fin l'eau. Yep. Qui est arrivé en premier? Nash, bravo Nash, champion. Ah non, El Chito. Oh là là, attends, personne n'est encore arrivé en fait. Eh non, parce qu'en fait, il y a un mur de glaçons au bout, ouais, de l'entonnoir. Et c'est encore votre serviteur qui remporte ça, la course. Bravo. Suivi de El Chito Bob et de Simon, qui fait podium. Bravo. Ensuite, nous avons 4ème Nashevman, puis Nayone, puis Fanfan, puis Christella. Là, au moins, tout le monde a pu rallier l'arrivée. Ce qui a quelque chose de rassurant. Vous, Doudou. Point d'exclamation play. Vous pouvez déjà placer votre bibille. Moi, je mets point d'exclamation lecture. Ça viendra, la franciser. Enfin, le fait de franciser la commande. Il y aura bientôt bonjour. Point d'exclamation bonjour ou bonsoir. Bah encore, je sais pas si je peux... Je vais peut-être essayer de la programmer à chaud là maintenant sur Westbot. En français, on va voir. Je vais lancer la course là qui va durer au moins 2 minutes, vu le record du monde en 2:10. Je vais faire un petit jeu rapide de bascule de fenêtre, mais je vous remettrai le comment on appelle ça, évidemment la fenêtre de jeu. Attends, je sais déjà plus si j'ai mis les noms. Non, je les avais pas mis. Attention, 10 secondes, ça va partir. 10 secondes, t'as dit? Ah oui. Ah, attends, le décalage. Ah, il n'y a plus ton horloge, assis en bas à gauche. Ah, là, on va suivre Nashevman. Oula, les billes sont planquées par un panneau. Planquées. Alors, oui, c'est bizarre. Le départ à la verticale, on voit plus rien. Alors, attendez. Moi, je vais essayer de basculer sur mon navigateur pour ouvrir mon Wisebot. Que j'essaye de faire la dite commande pour franciser le play de la bibille. Bonne remarque. Est-ce que je peux faire ça? Mon interface d'administration se charge. Bon, excusez-moi, il y a l'ambulance. C'est moi, mais on voit plus les noms. Ah merde, j'avais zappé les noms, pardon. Mince, je fais des bêtises. Voilà, c'est ça que je voulais. Nouvelle commande. Je viens de percevoir qu'avec le sage, en regardant ta webcam, c'est Noël avant Noël. Oui. Tu fêtes l'avant de Noël. C'est ça. Non, mais c'est une remarque de Poupon qui parlait de chapeau de Noël. Et je dis, tiens, je vais sortir le mien. Je vais sortir le mien. La bille fait un tour. Ah non, elle repart dans l'autre sens. Ah, c'est rigolo, c'est un moteur, l'intérieur d'un moteur. Mm-hmm. Ouais, c'est une voiture. Et ça, ce serait correct. Après, des bibis dans la montagne pour faire plaisir à Nash. Mmh. Alors, version française de la commande play. Alors, on a le choix entre lecture, play
enfin lecture, jouer et comme tu fais pas de bonjour. Il faut mettre trois commandes. Non, je retiens pas le bonjour, mais le reste, Wibi et Bibi, ouais, j'ai fait des synonymes. Oh. Mmh. Ah bah, c'est le sage. Hein. Non, parce que bonjour, j'ai déjà une commande, en fait. Ah, d'accord. Oui. Bon, c'est pareil, bonsoir, ça passe aussi. Bah, pour qu'on voit rien. Oui, attendez. Je sais pas pourquoi les noms ont sauté. Ah, je sais pourquoi les noms ont sauté, parce que j'ai fait ça, oui. Au niveau du alt-tab et changer de fenêtre. Ah, ok. El Chito Bob est arrivé. Oui, c'est bien. El Chito Bob, pardon, pas El Chito. Alors, faudra essayer la prochaine, le coup de mettre jouer ou lecture ou bille. Oh, le tracteur, c'est rigolo. Perso, j'ai tellement l'habitude de marquer play que c'est mmh. On est sous le tracteur là, hop. Mais bonne suggestion, ça devrait fonctionner. Alors, El Chito Bob, moi-même et Simon faisons le podium. Ensuite, bravo. Quatrième Nayonet, Fun, puis Nashevman. Et malheureusement, Christella a chu. T'es tombée dans les limbes, ma pauvre Christella. Tu n'as jamais râlé l'arrivée. Ah là 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 là. C'est cruel. C'est le jeu. Est-ce que t'as fait comme moi avec mon camion, avec la vie, ça fait pareil. Non. le Christ est mort. Vous pouvez essayer le point d'exclamation jouer. On va voir si ça marche. Jouer. Je tape jouer. Wizbot il a marqué play. Quoi, Wizbot il joue à nous? Lol. C'est. Non, fais play, Nayonet. Parce que t'es pas inscrit. Ah. Oui, effectivement, ça prend pour Wizbot. On peut dire à Wizbot de jouer. C'est drôle. Bah tu voulais trouver un moyen de le faire participer, bah voilà. Ouais. Ça nécessite. Alors, ça nécessite. Tu voulais le faire participer comme tu dis, et maintenant ça nécessite des recherches plus approfondies pour. Il faudra que je recherche pour. Pourquoi il aurait pas le droit de participer? Il est cool. Wisebot, il participe. Ah, Bob Murlock est avec nous. Bonjour Bob Murlock. Il a même une icône spéciale, Wisebot. Ça fait flipper. Attends, on va suivre Wisebot, c'est tellement dingue. Bonsoir Bob Murlock. J'espère que tu vas bien. Merci à toi de nous rejoindre. Attends, si je fais comme ça, voilà. Je retourne dans ma coulisse et je regarde l'édition de la commande. Ah oui, ça va pas, du coup c'est Wisebot qui passe le truc. Il a une salade de choux. Je suis toujours content de voir Bob et en plus Bob. Wisebot qui enfin joue avec des. Ça, c'était attendu depuis des siècles et hop, il dira que c'est pas compliqué. Je coupe, je fais un clip. Ouais, non, je pense qu'on peut pas. Modification de commande globale, non. Ah, ouais, c'est Wisebot en fait qui retraduit et. Alors, elle perd de son sens la commande. Ah. Voilà. Première participation de Wizbot immortalisé. C'est ça. Et il est cinquième pour l'instant. Ah ouais, mais là, c'est la vedette. C'est la vedette. Faire jouer Wisebot. Eh oui, le robot. Robot que je pourrais tout. Dans le jeu des billes. Déjà qu'il est contre que ce soit. Oh, une scène, il va devenir hérétique. Il va dire non, c'est pas concevable. Bon, bah voilà, on peut faire participer Wisebot. C'est pas ce que je voulais obtenir, mais pourquoi pas. Ah Wisebot, tiens, bah Christella et moi-même, on était éliminés. Dur. Ouais, le sage, il est le seul à l'avoir paramétré. Mais il est à côté de la plaque, le Wisebot. Il me dit. Je pose la question, est-ce que tu as vraiment les droits de jouer? Tu n'as aucune idée alors qu'il vient de le faire. Et en dehors de ça, ça te dit de rejoindre le serveur de Minecraft, ça te dirait ou pas? C'est là où on retrouve Wisebot en fait dans Minecraft plus tard. C'est énorme. Ouais. Mais Wisebot, il fait de la politique, je vous l'ai toujours dit. Il se prépare à diriger le monde. Donc il s'entraîne avec nous à nous faire des réponses de politiciens. C'est normal. Simon remporte la course suivie de Fun et de El Chito Bob. Bravo, bravo.
grand beaucoup, qu'est-ce que je dis. D'ailleurs, j'en ferai un deuxième clip pour immortaliser l'arrivée de Whizbot. Oui, quatrième qui ferme l'arrivée, puisque malheureusement Bob, Morlock, Nayone et moi-même Christella, nous avons chu dans les limbes. Attention, avant-dernière course de ce Grand Prix. Point d'exclamation, play. Allons-y. Et si quelqu'un veut placer la bille de Wisebot, vous pouvez maintenant taper point d'exclamation jouer ou point d'exclamation lecture, enfin bon, bref. Ouais, je suis arrivé en premier, youpi. En même temps, en étant dans l'avocat, je suis avantagé pour synchroniser parfaitement l'arrivée dans la ligne de départ, dans les starting blocks. Simon dit qu'il est pour Wisebot. Ah, et merci pour l'acte de fidélité, j'avais pas vu. Qui a mis Wisebot? Ah, lecture, je vois. Excusez-moi. Comment gonfler artificiellement le nombre de participants? Bah, carrément, tu mets ton modérateur à contribution d'avoir deux comptes. Est-ce que tu peux, si jamais le Wisebot bat des records du monde, qu'est-ce qui se passe? Il est joué considéré comme un joueur lambda, donc. Bah oui. Il a marqué Whizbot à un record du monde. Tout simplement. Un robot qui. Comme c'est tout le monde, hein. Il n'y a pas de. J'imagine qu'Adantoni quand il verra ça. Ouais. Oh là, mais ça il va flipper, faudra lui dire. On fait jouer le robot dans le jeu de billes. Il reste combien de courses? C'est l'avant-dernière qu'on est en train de faire. Bah, quand tu ralentis la dernière, je me prépare, tu me quitterais pour la vocale. Bah oui, mais est-ce que ta signe de vie de notre ami Bastos? Oui, oui, il m'a fait un. Ah bah c'est parfait. Voilà. Bon, on va être à l'heure. On pourra partir vers 8. C'est-à-dire vers Whizbot. C'est ça. Titre juste la vocale pour partir. Ouais, parce qu'il voulait qu'on essaye Twinsen, son logiciel là, mais il est du boîte metteur. Non, c'est trop compliqué sur un stream comme ça. Mmh. On reporte à sur un stream plus classique. Non, parce que. Je connais une scène avec son côté perfectionniste, il faut 4 heures pour qu'il modifie le logiciel. J'ai dit non, on attend tout ça. Oui, vas-y. Wisebot Robot. Ouais, et Wisebot Skynet Edition. Ouais. Il y a quelque chose qui est quand même bizarre, c'est que tu vois, Funfan il est violet, on va dire, et Elshito et Wisebot ils sont plutôt verts, alors qu'on est tous juste modo. À moins que je sois modérateur et éditeur, ils ne le sont pas. Je sais pas. Je t'avouerais que je pourrais pas dire, là je sais pas. Les codes couleurs de Wisebot. Yeah. Alors, Simon a encore gagné, bravo. Bob et Bob Morlock et Wisebot ont été éjectés hors parcours. Alors, on a un podium. Simon, deuxième Christella, troisième Funfan. Ensuite, il y a Nashevman, puis moi-même. Malheureusement, Nayonet a chu. Tu as pas rallié l'arrivée. Eh oui. Zut, je le sentais. Avant que tu le dises. Ah, zut. Dernière course. Il a déjà des fans, Whizbot, c'est fou. De cette série de 16 courses, Grand Prix, le plus long possible, point d'exclamation, play. Pour ce dernier tracé, placez votre bibi. Whizbot, la chèvre, pas Whizbot, dit Simon Like. D'ailleurs, tu sais qu'il a un projet, mais il sait pas s'il pourrait le faire un jour. Il voudrait faire 24 heures de Marvel en stream. Qui? Faire les plus longs circuits, comme les 24 heures du Mans, mais sans pause. C'est un de ses projets, mais je crois qu'il a abandonné l'idée parce que Amanda, elle veut pas. Non, sérieux, Cadeau Anthony a dit ça? Ouais, il a dit ça. Mais ça me surprend. Mais il aime bien des fois faire des blagues. Oui. Mais je comprends qu'Amande rouspète, hein, oh. Oui,
Ou peut-être tu le feras. N'empêche, faire 24 heures de bille, ça peut peut-être marcher. Il y a un parcours qui fait 24 heures, non, ou une heure, je sais plus. Oui, il y a un truc, c'est très particulier. Ça a été conçu au millimètre près, mais c'est un truc de fou. Bon joueur, Simon, qui souhaite bonne chance à tout le monde. Merci. À toi aussi. Mauvaise chance. Oh. Je pense qu'il doit être anglophone, notre ami Simon Lac. Je pense. Hein. Non, faut que j'arrête, il va croire que je l'aime pas. J'ai fait déjà des jeux de moi et son pseudo. Non, je suis pas comme ça. Aïe, aïe, aïe. Bah, je voulais faire un truc un peu différent. Non, je t'apprécie, j'ai rien contre toi, Simon. Mais vraiment, si j'apprécie pas quelqu'un, je le fais clairement. Donc, je suis juste un humour un peu spécial. Je n'essaye pas de le faire dès que les gens me connaissent pas, mais là je sais pas pourquoi, je sens que t'es une bonne personne et que je peux me le permettre. Je fais comment foncer, je sais. Oh, Simon qui dit je vais pleurer. Ça y est. Ah, c'est pas un anglophone. Ok. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai hâte de refaire GTA Vice City pour revoir Tommy Vice City, il fait trop rire. Ouais. Bon, est-ce qu'il dit, mais c'est anglophone. Quoi? C'est un Brésilien, c'est un loustique qui est très agité sur le direct de Fun Fan quand il fait Vice City. On l'a jamais banni, même s'il dit que des critiques. Oui, il m'a fait en anglais, mais comme je comprends rien à l'anglais, ça fait que je lui réponds en anglais, du coup, il est déçu. Mais une fois, il m'aurait traité de cogno. Ou de je sais pas quoi. Oui, vous ne pouvez pas savoir. Une fois, même, il m'a traité de artichaut. J'ai cru que c'était Josh, mais non. Et du coup, moi, je lui ai dit, je suis pas truchot. Parce que comme je pouvais pas traduire. Ouais, il vient chez moi de temps en temps, quand j'étais à Vice City. Ouais, ouais. Mais bon, on va dire que c'est comme c'est un troll, c'est un méchant troll qui est pas français, c'est rigolo, même s'il aime pas les français. Je suis tourné dans tous les sens, quelle horreur. C'est plus rigolo de rentrer dans le troll d'une langue étrangère que dans la langue française. Dans la française, je m'embête pas, je banne, mais dans la langue étrangère, bon, comme je comprends rien, ça rajoute un truc comique dans le truc. Oh, zut, je suis dernier, et peut-être que je vais rejoindre l'arrivée ou pas? Ah oui, quand même, à moins que je sois éjecté. Là, ça serait lamentable si je me faisais éjecter. Non, d'ailleurs, déjà que tu viens que le week-end, il faut pas que tu finisses dernier, tu devrais finir premier pour revenir à plus. Mais t'inquiète pas, je vais me rattraper dans le jeu de camion, je vais passer tout le monde. Ouais, le podium. Nashevman, Bob Morlock et Shitbob. Suivi, quatrième de Westbot, puis moi-même, puis Christella, puis FunFan, puis Simon, qui est avant-dernier. Et enfin, ferme la marche, neuvième, Nayonet. Attention, n'est pas dernier, Simon Lac. C'est la révélation. C'est le podium du Grand Prix de 16 tracés. D'après vous, qui est troisième? Christella. Non, c'est TJ. Qui est second? Stéphanie de Monaco. Non, votre serviteur. Donc premier, c'est peut-être Christella. Premier, moi? Oui, elle shit Bob, merde. Oh. Bravo. Ça, je lance. C'était rigolo. Alors, non. Résultat complet. Donc, elle shit Bob, moi-même et Edge. Oui, avec pas mal de points d'avance, la vache, 80 points. Christella, 4e. Suivi de FunFan, suivi de Simon. Eh, pas mal, Simon, pour... t'as fait quoi? T'as fait 5 courses sur les 16. T'en as remporté 2, t'as un bon ratio, hein, Simon. Bien. Le sage, comme tout à l'heure, comme pendant toute la compétition, j'ai toujours été derrière Christelle. Toujours à une position. Mmh. Et ça a resté. Et la tradition, elle reste.
Ouais, spot. Ouais, c'est pas mal comme performance, Simon. Ouais, non, tu peux... T'as pas à rougir de ta performance, comme on dit. Non, c'est bien. Donc, Poupon, 7ème, Nachevman, 8ème, 9ème, Ladjet, 10ème, Bob, 11ème, Nayonet, 12ème, Pierre Troutman, 13ème, Tunsen, 14ème, Maxime, IRL34, et dernier, Wisebot. Il faut bien débuter quelque part, hein. Bon, Wisebot qui va s'exprimer dans le chat. Attention, la petite bulle verte va s'activer. Voilà. C'est très con. La petite bulle verte. Play. Ah oui, il s'exprime. Ouais, un chat. Voilà, j'ai fait un clip vite fait là. Oui, le dernier, je l'ai appelé. C'est ça. Je le renommerai, vous inquiétez pas. J'ai fait ça à la va-vite. Je vous profite, j'ai la parole. Donc, pour ceux qui vont suivre le raid tout à l'heure sur Final Fantasy VII avec Bambastos. Donc je vous dis à tout à l'heure. Pour ceux qui ne le suivent pas, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir été dans le chat du Sage de Nancy. Et on vous dit tout simplement à demain chez le Sage pour le Final Fantasy. Oui, 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 c'est ça. Oui. Ouais, le matin, oui, moi, je ferai le 13e. Voilà. Moi, je vais sur le 13, et toi, tu repars sur le 13. C'est très drôle, du coup. Oui, c'est très Final Fantasy, c'est un week-end. Voilà, on va filer chez toi. Ça y est, je peux lancer le relais de chaîne dans 90 secondes, on bascule chez toi. L'appel à Bastos, je t'enverrai un message par écrit. Hein. Ok, ok, j'attends ton feu vert. En tout cas, merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Merci pour ta modération et l'équipe, hein, évidemment, FunFan. Tout le monde d'avoir participé dans le local, dans les jeux, c'était bien, comme tous les samedis, c'est bien, relax. Alors, je vous annonce que, presque exceptionnellement, j'ai très envie de faire du camion ce soir. Bah, bon app, hein, Christella, bon app pour ceux qui vont manger. Mais ça va être pareil pour moi, je vais évidemment me restaurer. Je vais lancer un convoi sur American Truck Simulator. Donc les habitués pourront rejoindre. Et je vais me faire un plaisir de jouer au camion tout en regardant évidemment FunFan faire son Final Fantasy sur son antenne qu'on va rejoindre dans quelques instants. Voilà le programme de la soirée, très agréable. Un week-end ressourçant comme je les aime. Ça fait un bien fou. Oui. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Et moi, je réfléchis déjà à qu'est-ce que je vais miamer. Je dois avoir du frais dans le frigo. Il faut que je fasse attention que je regarde ce que j'ai en réserve. Je ne sais plus. Il faudra que je fasse une descente dans le frigo. Là, là, là. Une descente dans le frigo. Oui. T'es cas. Tu vas descendre d'un escalier dans le frigo. Tomber dedans, la porte va se refermer et je vais finir congelé en deux mots. On ira te récupérer et on va te cuisiner. Ah oh, mon dieu, quelle horreur. Ah, trop de torture. Bah, qu'est-ce qu'il me fait, mon interface qui me fait n'importe quoi. Oh. Blablabla. Non, j'arrive même plus à obtenir ce que je veux. Oh, scandaleux. C'est scandaleux. C'est un scandale. Le temps, ouais, d'avoir le feu vert de FunFan pour le relais de chaîne. Moi, je lance déjà le jeu de camion de mon côté pour programmer, vous savez, le convoi. Oui, elle est belle, l'emote, merci animé. Ouais, elle est classe. Je sais pas d'où est-ce que ça sort chez Christella, mais c'est vrai qu'elle est classe, comme dit Nashevman. Oui, donc pour le programme concernant moi, demain je reprends mon antenne en matinée entre 9h et 10h pour Final Fantasy 13, et puis on rebasculera demain chez FunFan, et en fin de journée on fera encore du camion parce qu'on s'éclate, quoi. Je vais lancer mon stream à tout de suite pour ceux qui suivent le raid. Pour les autres, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Parce qu'il est un bonnet de Noël. Je crois que je suis au Nouveau-Mexique et j'ai très envie ce soir de remonter dans mon état américain favori, qui est l'état de l'Oregon. Le très boisé état de l'Oregon que j'adore. Vraiment, j'adore les routes de l'Oregon. C'est un pur régal. Voilà, pour répondre à Bob. Je vais programmer, lancer le relais de chaîne. Hop, c'est bon, ça va basculer dans 90 secondes. J'aime les autoroutes de l'Arizona, c'est droit, long et plat. Ah, bah chacun son truc.
Et puis ça dure longtemps. Ouais. Après, c'est vrai que les routes de l'Oregon avec les forêts, c'est sympa. Il y a beaucoup de 25, beaucoup de feux rouges. Ouais, bah ouais. Comment ça, modification de contenu détecté, mise à jour des données de navigation? Il y a une grosse mise à jour cette semaine? Bizarre. Allez, je vais programmer le convoi. Blablabla. Ouais, je vois que personne d'entre vous en a fait un. Bon, bah voilà, je vais bercher le convoi comme d'hab. Ah oui, tout à fait. Ça y est, c'est bon, j'ai lancé le convoi. Ok. Je vais déjà sauvegarder en multijoueur. Je vais aller manger. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et à tous de l'heure, ceux qui vont nous rejoindre sur le jeu de camion. Allez, à plus, salut. À plus, ciao. Même moi, je vais changer de vocal d'ailleurs, techniquement parlant. A plus tout le monde, ciao, merci. Oui, y a pas de souci, vous venez quand vous voulez. Nous, on va regarder Fun, on va filer chez lui pour voir le Final Fantasy. Alors, hop, je zappe déjà chez Fun pour que j'ai son retour son. Que je me fasse pas avoir. Pourquoi je vois pas son icône? En tout cas, merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Et les rediffusions, évidemment, tombent sur YouTube au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Rapidement passer sur un jeu de camion avec le sage. Donc, bon jeu de camion à vous. Bonsoir. Et je suis accompagné par Bombastos. Voilà. J'espère que le live s'est bien passé, que vous avez fait de bonnes courses sur Marble on Screen. Et bonsoir, Bob. Qui nous a fait deux pour le prix d'un, Bob. Bonsoir, Bastos. C'était déjà gratuit, ça fait deux gratuits. Alors, oui, moi aussi, que je me mette en condition agréable, il faut que je change mon... Là, où est-ce que t'en es? Ils te disent ici. Je crois qu'il fallait que... Ah oui, tu devais sortir... Non, ça, tu l'avais fait. Sors, vas-y. Voilà. Alors. Sors dehors, si tu préfères. Ouais, allons-y. Ce serait pas un pléonasme de sortir. N'oublions pas. Oui, n'oublions pas. N'oublions pas le décalage, donc on va essayer de faire un mec. Bien. Mmh. J'avoue que ça est-ce fait. Est-ce que sur la petite butée qui se trouve en hauteur, tu aurais pas un personnage que tu t'attendrais? C'est possible. Ah, si je vois, je crois Iris. Ok. C'est agréable. Sachez, mesdames et messieurs qui nous suivez pour ce live, d'ailleurs merci pour Fun.